Cookie, oh. Ça te va trop bien. Oh ouais, toi, Lily, t'as trop la classe. Oh. Vous êtes hyper à la mode, Rocky et Lily. Celle-là? Oh non, ma mèche est trop toute droite. Celle-là alors? Ma mèche est trop sur le côté. Celle-ci? Non plus, ma mèche est pas assez sur le côté. Mais Rocky, t'es trop compliqué. Mais c'est tellement important de trouver le bon selfie de la journée pour envoyer par WhatsApp aux amigos. Alors, il n'y a qu'une solution, objectif shooting. Bien vu, Loli. Regarde, Lily, c'est comme ça qu'on pose. Et hop, regarde vers la gauche, puis vers l'autre gauche. Et maintenant, regarde vers l'objectif. Vous pouvez nous montrer ce qu'on a, s'il vous plaît? Elle est vraiment top, Rocky. Ah ouais, c'est vrai qu'elle est pas mal. Oh, ben heureusement qu'on a trouvé, parce que là, t'entends, c'est l'heure du... Colis Mystère. Oh, wow, deux housses de vêtements, trop bien. Genre, une pour toi et une pour moi? Ou toutes les deux pour moi. Je me demande quel style de tenue on nous envoie. Des déguisements pour un épisode spécial délire. Oh, ce serait tellement bien. Martien, blou 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 blou. Ou alors petit chien. Ou clown. Ouais, ou alors des tenues hyper stylées au top de la mode. Ou alors des nouvelles tenues de soir. Ouais, pour faire du poney. Ah oui. C'est vrai, j'avais oublié que tu faisais du poney, Rocky. Bah ouais, grave, j'ai mon petit niveau. Rocky a son petit niveau en tout. Et vous les amigos, vous pensez qu'il y a quoi dans ces housses? Des déguisements? Des nouveaux looks? Ou des tenues de sport? Oh, allez, c'est parti! Oh, je suis trop impatient. Ouais. Oh là 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 là, oh, je me demande vraiment ce qu'on va découvrir là-dedans. Et en attendant, restez bien avec nous. Et n'oubliez pas de regarder l'épisode jusqu'à la fin, parce que ce sera peut-être toi l'amigo du jour aujourd'hui. Oh, alors Lily? Waouh, j'adore, grave stylé. Oh ouais, oh vite, 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 ouvre l'autre, je suis sûre qu'elle est pour moi. Allez, 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 allez. Oh. Mais waouh, c'est trop beau. Oh mais ouais, comment je vais être ultra BG avec ça? Allez, on essaye. Oh ouais, bonne idée. Relooking, c'est parti. Et voilà. Waouh, Rocky, ça te va trop bien. Oh ouais, toi, Lily, t'as trop la classe. Vous êtes hyper à la mode, Rocky et Lily. Mais en fait, Loli, ça veut dire quoi s'habiller à la mode? Ça veut dire suivre les tendances. Mais plutôt que de parler de la mode, on devrait plutôt parler des modes, car la mode change en fonction des endroits et surtout des époques. Attends, Loli, tu veux dire que un vêtement qu'on trouve moche ici en Belgique peut être super tendance à l'autre bout de la planète? La réponse est oui, Lily. Oh, et aussi que ce qui est à la mode aujourd'hui ne le sera peut-être plus demain. La réponse est oui et non, Rocky. Je vous propose un voyage dans le passé pour comprendre. Oh, trop cool! Direction les années 1960. Transformation de Rocky et Lily. Appelle cette époque les 60s. La mode, c'était mini-jupe, couleur pop et accessoires XXL. Waouh, trop bien, j'adore les mini-jupes! Avec des belles boots blanches, par exemple. Oh, et toutes ces couleurs mélangées, c'est trop beau! Au fait, Loli, t'es sûre que c'est la mode des années 60? On voit plein de gens habillés comme ça aujourd'hui. Exact, Lily. Il y a plein de looks et d'accessoires des années 60 qui sont redevenus à la mode aujourd'hui. Maintenant, direction les années 80. Prêt pour la transformation. Yeah, oh, oh, oh. En 1980, le top du top, c'était le combo jean délavé, crop top et barrette dans les cheveux. Oh. Et le bandana. Oh ouais, les bandanas, j'adore, j'en ai tout plein, regarde. J'ai toutes les couleurs. Et d'ailleurs, si on en voit partout aujourd'hui, c'est un peu grâce à moi. Pas vraiment, Rocky. Le bandana a été créé en Inde. Le mot vient du mot badnati, qui veut dire noué. Puis après, c'est devenu l'accessoire préféré des cow-boys. Oh, trop cool! Yeah! Hey, tu sais pas quoi, Lily? Hey, tous ces looks, ça me donne comme une idée. Laquelle? Et si on demandait aux amigos de nous décrire leur petit style préféré? Ouais, trop bonne idée, Rocky. Oh. Je suis sûre que vous avez plein de top idées. Alors, c'est parti pour... Les messages des amigos! Waouh,
J'adore ce bleu hyper flash. Je pourrais me faire un petit top avec. T'en penses quoi, Rocky? Ouais, j'en pense que voilà nos premières réponses d'Amigos. Ils nous décrivent leur look préféré. Déjà? Bah alors en place, tu prends ton téléphone pour filmer le défilé? Ah oh, ouais, ok, c'est parti. Ah, vas-y. Bienvenue au défilé des Amigos. Vous nous avez envoyé vos looks, on les découvre ensemble. Premier look, celui d'Adriano de Bruxelles. Il adore les t-shirts hyper colorés et il met toujours une casquette hyper stylée. Comment vous me trouvez un Adriano? Pas mal, hein? Oh, t'es vraiment au top, Lily. Trop swag, les casquettes. Ça donne vraiment un look différent. Look suivant, c'est celui de Stella. Stella porte uniquement des salopettes. C'est confort pour jouer et hyper tendance. Et son petit plus à elle, c'est de mettre un max d'accessoires dans ses cheveux. Je suis bien, Stella. J'adore, tellement fun ton look, Stella. Bon, allez, Lily, on continue. T'as encore plein de looks à essayer. Voici maintenant la tenue de Cora. Cora adore les chorés et la gym. Alors dans sa tenue, il faut du mouvement, du peps. Son look est hyper girly et au top pour danser. Regardez ça. Yeah. Wow, trop bien. Anis de Bourrin, lui, adore le rap. Son style préféré, c'est le streetwear. Basket, jeans larges, sweat. Et comme accessoire, il adore se balader avec un skate sous le bras. Yeah. Oh, mais quel swag. C'est la fin de notre défilé look des Amigos. Bravo à Lily, notre top modèle. Bravo, Lily, bravo. Trop fort. Ouais. Oh, c'est génial. Bravo pour ce défilé, Lily et Rocky. Vous faites honneur au stylisme belge. Ah bon? On est fort en mode, nous les Belges? Très fort. Les créateurs belges sont connus dans le monde entier pour leur créativité. Oh yeah, come on Belgium! Come on Belgium! Oh, ce look années 80 te va trop bien, ouais, Lily. Toi aussi, Rocky. Oh, merci. Mode Florentine, mode Romaine. On voit bien quand même des looks de malade, Rocky. La mode, ça peut vraiment aller très très loin niveau créativité. Regarde. Oh ouais, wow, génial. Hey, mais dis, Lily, je me disais un truc. Quoi? Eh ben, la mode, c'est bien. Mais le plus important, c'est de se plaire à soi-même. Il faut être comme on est. C'est vrai, Rocky, un look réussi, c'est un look qui te plaît à toi. Oh ouais, mais carrément. Il faut oser être différent et ne pas essayer de ressembler aux autres. Ce serait trop triste si on était tous pareils. Moi, par exemple, avec mon éclair sur l'œil, eh ben, je suis unique. Et un autre truc très très important. On n'est pas obligé d'acheter des vêtements de marque qui coûtent souvent très très cher. Et surtout, on ne se moque pas des copains à cause de la façon dont ils sont habillés. C'est vraiment pas cool du tout de faire ça. Tu as tellement raison, Rocky. Et pour vous, la mode c'est important? Vous avez déjà customisé ou fabriqué des vêtements vous-même? Ou inventé des concepts? Envoyez-nous vos photos sur WhatsApp. Et peut-être que vous serez l'amigo du jour comme Hanine. Oh, regardez le dessin qu'elle nous a envoyé, Hanine. Merci. Il est trop beau. Et Lily est tellement cool avec son rouge à lèvres et son super beau nœud. Merci, Hanine. Oh. Hé, hey, t'entends, Lily? Ouais. C'est l'heure de... La choré de Rocky et Lily. Et mon petit look à moi, tu le trouves comment? Pas mal. What? Pas mal, c'est tout? Non, Rocky, oh. Je voulais dire canon, oh. Génial, au top, oh. Féerique, magique! Oh, merci, j'aime mieux ça. J'avais peur que t'aimes pas mon style.